Le monde ne tourne pas rond avec l'insolite. Geoffrey vous le prouve. Revenons sur une étude scientifique aujourd'hui à The British Medical Journal avec son édition de Noël. Ça y est, la science l'affirme les hommes sont plus bêtes que les femmes. Bon, je rappelle que c'est une édition de Noël, hein Fallait donc bien faire plaisir à mesdames pour une fois dans l'année. Non, puis c'est une étude qui a dû être faite par des femmes, ça, hein. Bah oui, probablement aigrie. Peut-être même vieille fille. Jalouse de nous que vous êtes. Nous, on peut pisser debout, t'as na mère. Euh... Merde, c'est pas très intelligent, ce que je viens de faire. J'ai peut-être de prouver que j'étais idiot. Enfin, les hommes sont plus idiots que les femmes. Oh, alors. Sur un point, ok, je veux bien l'admettre, c'est vrai. On fait un truc idiot, ouais. Bah, on vous épouse. Et parfois même pire, on vous écoute. Mais sinon, nous qui sommes des idiots, pouvez-vous m'expliquer pourquoi à la douche on a besoin que d'un seul flacon quand vous, vous vous faites arnaquer en acheter 12 normalement qui font la même chose on n'est pas quand nous on a bien compris que c'était du marketing. Anticellulite, anti-ride, anticerne, euh, euh, soin intensif, nuit, maigrir en dormant, machin truc, là. Allez, attendez, qui essaye ça C'est pas les mecs, hein Nous on est lucides, on sait très bien que ça marchera pas sur vous. À la réponse, ah non pas ce soir mon chéri, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Vous nous prenez pour des idiots, mais on a bien compris qu'il y avait graisse anatomie à la télé, hein. Et que pour nous, côté anatomie, c'était raté. Les hommes plus idiots que les femmes. Pourquoi se ce nous, les idiots, dans l'histoire Léonard de Vinci, il me semble pas que ce soit une femme, Thomas Edison non plus, Benjamin Franklin non plus, Louis Pasteur non plus, Alexandre Fleming non plus, Auguste et Louis Lumière non plus. Alors, c'est qui qui s'embête là Merde, c'est moi, je sais pas comment mettre ma machine à la vue en route. Alors, programme quoi, délicat, non Qu'est-ce que c'est On prend rien. Chérie, comment ça marche Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook, l'insolite de Geoffrey.